Yes, you know so. Love a woman, 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 love a
Merci beaucoup, c'est Philippe. La découverte de notre équipe était en rédaction, en cours, est déjà arrivée et exposée. Cela signifie que nous pouvons à présent débuter notre grande cérémonie d'hommage à mémoire de lui. Procès, nous demandons à la sécurité de nous aider à mettre d'abord l'ordre dans la chapelle. Que les gens ne soient pas debout, que les gens se mettent. Et nous avons besoin d'un petit calme pour commencer notre grande cérémonie de tout à l'heure. Nous savons que c'est un moment dur et difficile pour la famille Matou qui est en train de pleurer son cher fils à la personne de M. André Maxon Mankou. Voilà, merci beaucoup sécurité. L'ordre étant établi, la famille Mankoulou m'a chargé, avant toute chose, de vous dire tous merci d'être venus combattre avec elle. Vous leur avez témoigné votre sympathie en venant partager avec elle cette grande douleur. Vous ne savez pas combien votre présence est thérapeutique. Vous ne savez pas combien votre présence leur fait du bien, parce que dans des moments comme celui-ci, nous avons besoin de soutien des autres. Oui, certes, nous plairons une grande personnalité, un homme, un ami pour quelques-uns, un parent pour les enfants, un mari pour son épouse, un fils pour sa famille, un collègue pour ses collègues de service. Il avait tout autour de lui, ou en lui, toutes les relations du monde. Un fidèle pour son pasteur ou pour son église. Il a plu au Seigneur de reprendre l'âme de son fils André auprès de lui. C'est douloureux, mais nous demandons à la famille beaucoup de courage. C'est ainsi que cette assemblée aussi m'a chargé ou m'a demandé avec insistance de présenter à la famille du défunt ses sincères condoléances les plus émues. Elle est de cœur avec vous, elle est là pour partager avec vous cette grande douleur. Nous n'avons pas un programme trop chargé, comme nous sommes en train de courir derrière le temps. Nous allons tout à l'heure avoir une prière d'ouverture qui sera suivie d'une courte exhortation par le pasteur Guy Kupingela de l'Église chrétienne biblique en sigle ECB. Et tout juste après la prédication, nous passons pour céder aussi à la prière familiale. Et nous allons avoir besoin d'un ou deux témoignages. Si vous détenez un témoignage, vous venez aussi vous enregistrer. Et après, nous allons directement lire la biographie et nous allons directement nous recueillir. Et après le recueillement et le dépôt de nos jours de fleurs, nous allons avoir un mot de la famille. Et le pasteur reviendra pour clôturer la cérémonie et le cœur sera le même. Voilà. C'est de cette manière qu'il va se présenter notre programme de tout à l'heure. Pour ne pas abuser de votre temps, j'invite très respectueusement le pasteur Guy Kupingela de l'Église chrétienne biblique de bien vouloir avancer. Pendant ce temps, vous avez un témoignage, une jette de fleurs. Voyez-moi pour vous ajouter sur la liste. Merci. L'Éternel, le maître des temps et des circonstances, Dieu souverain, sa souveraineté est au-dessus de trois pouvoirs classiques que nous avons dans ce monde. Le pouvoir classique, c'est l'exécutif, c'est le législatif ou l'assemblée, et le judiciaire qui regroupe les magistrats et tous les autres. Mais Dieu a à lui seul tous ces pouvoirs, tous ces trois pouvoirs. Ce pouvoir, on l'appelle Dieu souverain. Quand il a décidé de faire quelque chose, ça nous fait mal, mais personne n'a le pouvoir de dire pourquoi tu as fait, comment tu as fait et où
personne n'a le pouvoir. Tous, nous nous inclinons devant la volonté parfaite de Dieu. Pourquoi nous disons que c'est la volonté parfaite de Dieu? Parce que celui qui nous a quittés était un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tous, si nous pouvons nous lever pour dire merci au Seigneur, afin de recommander ce moment entre la main du Seigneur. Yes, sunde konabol, sunde konabolingo, yo lingi ngami, yo lingi ngami, yo kufela, yo kufela kingai, yo. Éternel, notre Dieu, Dieu tout-puissant, nous nous inclinons devant ta volonté pour te dire merci. Il t'a pris d'accomplir ta parole, ta prophétie qui dit l'homme est poussière et va retourner à la poussière. Merci de tout cœur, Seigneur. Nous nous abandonnons entre ta main et que nous te prions, Seigneur, que notre ego se taise et que Saint-Esprit, que tu nous prennes en charge, afin que tout ce que nous allons dire puisse édifier, puisse exhorter, puisse consoler. Au nom de Jésus, nous prenons autorité si tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie à ce lieu, nous les rendons le sens de faire au nom de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Si on peut acclamer le Seigneur, nous, quand on acclame le Seigneur, c'est une façon de dire que Seigneur, j'ai des douleurs, ma paix saigne, mais je reconnais que tu es au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi je t'acclame et je dis que merci, que ton nom soit glorifié. Amen. Nous avons juste 15 minutes et dans ces 15 minutes, nous allons partager un passage. Mais avant toute chose, j'aime introduire par la parole d'un savant, disons, un homme très sage, du nom de Salomon, qui fut roi en Israël. Et après avoir contemplé la richesse, il dit dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 8, Salomon dit ceci, l'homme ne pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. La mort n'a pas la délivrance. Nous sommes de l'église chrétienne biblique, c'est vrai, et nous sommes aussi du ministère chrétien du combat spirituel, où nous croyons, même étant pasteur, nous croyons que on accepte Christ, on a accès au salut. Mais certaines choses qui ont été faites dans le passé, soit par les parents, soit par nous-mêmes, nous poursuivent. Voilà pourquoi nous avons cru et Dieu a transformé notre vie. Amen. Et là, on dit même si on est combattant, même si on est aguerri à des jeunes de prière, en ce qui concerne la mort, il n'y a pas la délivrance. Quand Dieu a décidé, il a décidé. Voilà pourquoi Salomon, pardon, David a dit que son nom soit glorifié. Alors, un passage qui va nous exhorter, c'est dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, la Bible dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Heureux.
Si Dieu reprend son esprit, son âme, la Bible dit, le corps qui reste, c'est un corps inerte. Il n'attend pas, il ne sent rien. Même si on peut faire tout ce qu'on peut faire, des cérémonies, ça n'a rien à voir avec lui. Mais une parole très importante que j'aimerais que chacun de nous puisse retenir. La Bible dit, on est heureux seulement lorsqu'on meurt dans le Seigneur. En d'autres termes, il y a des personnes qui meurent, mais ce n'est pas dans le Seigneur. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. On dit heureux parce que le corps ne veut pas se réjouir, ce n'est pas dans ce sens-là. Il est heureux parce que après la mort, il y a une vie qui continue. Il y a une autre vie. Et cette vie éternelle est conditionnée par ce qu'on a fait sur cette terre, en pensée, en parole, en acte. Si cela ne rejoint pas la pensée de Dieu, même si on écrit que ton âme repose en paix, même si l'éternelle parole qu'on va dire au cimetière, que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère, cette parole, je ne sais pas, ça peut être un slogan, ça peut être juste comment pour nous édifier, mais par rapport à la personne qui est décédée, ça n'a pas de paix. S'il n'est pas mort, s'il n'est pas parti dans le Seigneur, son esprit part dans le lieu de tourment. L'esprit va être tourmenté. Même si, ce que font les médecins ont une pratique qu'on appelle euthanasie. Lorsque vous souffrez, lorsque vous avez un frère très souffrant, et vous dites que cette souffrance ici, c'est tellement atroce que nous voulons qu'il y aille se reposer. Médecin, donne-lui cette piqûre comme ça, il va se reposer. Même si vous faites ça, il ne va pas se reposer. Il va dans le lieu de tourment. Mais néanmoins, celui qui est parti dans le Seigneur, il va dans le lieu de repos. Une seule chose qu'il faut retenir. Mourir dans le Seigneur, ça veut dire quoi? Mourir dans le Seigneur, pour qu'après la mort, on soit heureux. Mourir dans le Seigneur, si nous pouvons résumer à quelques quatre points très importants. Le premier point qu'il faut retenir seulement, que tout le monde, en venant sur cette terre, il est pécheur et séparé de Dieu. Et la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. La mort dont on parle, c'est la séparation avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Et ce péché, ce n'est pas ce que nous commettons, c'est ce que nous avons hérité par Adam et Ève. La Bible dit, Adam et Ève ont péché dans Romains chapitre 5, verset 12, par le péché d'une seule personne, le péché est répandu sur le monde entier. Deuxième chose très importante qu'il faut retenir, l'homme, tout naturellement, cherche par des cérémonies à rétablir cette relation qu'on appelle d'une manière générale la religion. La religion, ce n'est pas l'église. La religion, ce sont des hommes. On y a des pensées. Ils se disent, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire des incisions, nous pouvons nous priver à manger, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire pour rétablir la relation. Là, c'est zéro. La relation ne pourra pas être rétablie. Au contraire, on est toujours esclave de Satan. Parce que quand on pêche, on est esclave de Satan. C'est comme une personne qui a été kidnappée. Une personne kidnappée, le kidnappeur exige que nous avons besoin de tel montant pour le libérer. Mais néanmoins, on peut donner ce montant, mais on ne peut pas aussi libérer la personne. Pire encore, on peut aussi achever la personne. Mais néanmoins, troisième point très important est qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour l'humanité tout entière, c'est Jésus. Il a accepté de venir, il a accepté de mourir étant Dieu. Il a été enseveli et il est ressuscité. Et je crois que nous pouvons acclamer pour Jésus. Car Dieu qu'il était, il a laissé son trône, il est descendu volontairement.
Parce que s'il avait voulu refuser qu'on puisse l'arrêter, on ne l'avait pas arrêté. Parce que par le fait, le simple fait, lorsque Judas Iscariote est venu, il a fait un baiser à Jésus. Jésus a posé la question, qui vous cherchez? Lorsqu'ils ont répondu, Jésus de Nazareth, tous étaient tombés. C'est-à-dire, ils n'avaient pas le pouvoir de faire quelque chose sur Jésus. Il a accepté. Je sais que dans le jargon biblique, on appelle rançon ou le rachat. Le rachat, c'est le prix qu'on paye quand on fait qu'un esclave devienne libre. Tous, on était des esclaves. Jésus a payé le prix, mais ce n'est pas tout. Parce que même Satan, même les démons, savent que Jésus est le Fils de Dieu. Et la Bible dit, il tremble même. C'est dans Jacques chapitre 2, verset 19. Donc, le fait de savoir que Jésus est mort, enseveli, ressuscité après le troisième jour, ne suffit pas. Ne suffit pas. Mais voilà le dernier point très important que je t'interpelle. Toi qui m'écoutes en ce moment, parce que je suis très rassuré. Et j'ai la paix du cœur. Parce que papa André, il y a quelques mois passés, nous avons été à la célébration du mariage de leur fille et Lisette. Et maman Élisée était là. J'ai eu le témoignage. Nous avons eu le témoignage que c'était papa qui avait donné sa vie à Jésus. Père dans le Seigneur, il faut prendre la décision de dire qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus dirige ma vie. On peut prendre cette décision, mais il y a une chose très importante qui est la dernière, c'est marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, c'est faire ce qu'il veut. Or, il peut arriver que la volonté est là. Nous voulons rechercher la paix avec nos voisins, selon qu'il est écrit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On peut avoir la volonté de rechercher la paix. On peut avoir la volonté de refuser l'impudicité, le vent et tout ce que nous voulons comme péché. Mais il n'y a que Dieu qui peut nous donner ce pouvoir-là d'arrêter. Voilà pourquoi Jésus te demande, si tu n'avais pas encore pris cette décision, on va prier avec toi pour que Jésus entre dans ta vie. Amen. Et si tu avais pris cette décision, et que tu marches comme le gens du monde. Comme les Corinthiens ont dit, mangeons, vivons, car demain nous mourrons. Dans les Corinthiens chapitre 33. Chapitre 13. Ils disent, mangeons, vivons, car nous mourrons. C'est-à-dire, faisons tout ce que nous pouvons faire. Réjouissons notre corps, parce que demain nous mourrons. Non, mais ce n'est pas la fin de toute chose. Ou bien vous allez à l'église, c'est seulement par formalité. Le Seigneur veut interpeller que désormais, à partir d'aujourd'hui, il faut savoir qu'après la mort, il y a une vie. Et cette vie est conditionnée, un, si tu avais donné ta vie à Jésus, deux, si tu marches avec Jésus. Et pour marcher avec Jésus, il faut accepter que Jésus puisse t'enseigner et qu'il puisse marcher avec toi. Amen. Voilà, ceci, c'est un point que nous voulons prier ensemble avec vous. Je te prie seulement d'incliner seulement ta tête et d'élever ta main si tu veux prendre cette décision. Lève seulement ta main comme ça, on va prier avec toi. Merci mon frère. Merci mes soeurs. Et aussi si tu as constaté qu'il y a des choses que tu n'arrivais pas à laisser, mais lève ta main, nous allons prier pour toi. Et j'ose croire que sincèrement, Dieu va te donner le pouvoir. Amen. Prions avec moi. Fais tes déclarations à haute voix avec moi. Et Dieu, il est là, il nous écoute. Si on peut dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te donne ma vie. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Délivre-moi des œuvres de la chair. Conduis ma vie au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voilà. Ça fait 13 minutes. Mais 2 minutes, je vais seulement te dire fort. Cette déclaration, c'est ce que la Bible appelle naître d'esprit,
naître du nouveau, la nouvelle naissance que Jean n'avait pas compris dans Jean chapitre 3. Et cette déclaration fait que 1. Dieu a pardonné tes péchés. 2. Tu as une nouvelle créature. 3. Tu as la vie éternelle et tu es devenu enfant de Dieu. Mais ça, c'est du point de vue spirituellement, spirituel, pardon. Mais physiquement, viens pour apprendre comment marcher avec Jésus. Voilà pourquoi nous, nous sommes de l'Église chrétienne, comme je l'ai dit au début, une grande assemblée qui marche en étroite collaboration avec le ministère chrétien de combat spirituel, c'est-à-dire ce qui se fait au ministère chrétien de combat spirituel, nous croyons à cela et nous le faisons et nous voyons aussi nos vies épanouies. Le ministère chrétien de combat spirituel qu'on appelle communément l'Église de papa et maman au live. Non, c'est un ministère, c'est une vision seulement qui accepte tout le monde. Et l'Église chrétienne biblique est dirigée par le pasteur Jérôme. C'est une église qui est localisée à la 18e rue Limité. Papa André priait là-bas, maman Élisée aussi, et tous les enfants étaient là. Nous allons prier pour la maman et pour les enfants. C'est le dimanche, quand vous venez, vous allez nous trouver à la 18e rue Limité, quartier Michel, sur avenue des Unités, numéro 26. Là, c'est de 6h jusqu'à 12h, nous avons vécu. Nous allons prier pour maman. Nous allons prier aussi pour ses corps. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. On ne parle pas aux morts. Quand vous parlez aux morts, c'est la nécromancie. Ce sont des esprits. Quand vous dites Nebulanga, Kanisanga, là vous appelez des esprits mauvais et qui vont troubler votre vie inutilement. Et aussi lorsque on enterre le gens, il y a deux fois où les gens mal intentionnés, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans l'occultisme, vont faire des incantations pour prendre l'image de la personne décédée, afin de venir troubler la quiétude de la famille. Voilà pourquoi nous allons prier pour ça. Prions. Maintenant, nom de Dieu. Un moment dans la vie de maman Élisée avait pris la décision d'être unis à papa André. Ils ont cheminé ensemble. Ils ont eu deux enfants. Oh Dieu, ils ont fait des alliances. Oui, hier, cette alliance a été brisée. Aujourd'hui, nous prions pour recommander maman Élisée, tous les enfants, toute la famille, sous ta grâce, Seigneur, que tu puisses prendre soin d'eux. Tu es le défenseur de veuves, tu es le père des enfants. Laisse Jésus, tu lui donnes, tu leur donnes la paix. Selon qu'il est écrit, tu as dit, je vous donne ma paix. Je donne la paix que le monde ne peut pas donner. Et que cette paix puisse garder leur cœur, Seigneur. Que tu le prennes en charge, Seigneur. Spirituellement, matériellement, financièrement, physiquement, oh Dieu, afin que le vide qui a été créé par Papa André, et c'est toi, le Père, notre Père Céleste, tu vas couvrir ce vide au nom de Jésus. Merci Père, car tu fais au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous prions pour ce corps, Jésus. Lorsqu'il sera déposé dans sa dernière demeure, nous autorisons, nous interdisons à toute force de ténèbres d'avoir accès à ce corps au nom de Jésus. Nous prions que ce corps soit couvert par ton sang, que le tombeau soit couvert par ton sang. Nous croyons au service de Jean, des anges, jusqu'à ton avènement, Seigneur, lorsque tu viendras, Seigneur. Que papa André et Maxence aussi soient enlevés à ta rencontre dans les airs. Merci Père, car tu nous as exaucés. Que ton nom soit béni. Nous t'acclamons car tu es le roi des rois. Nous t'acclamons car tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous t'acclamons car tu es le Dieu redoutable. Acclame le Seigneur bien-aimé. Et nous recommandons le reste du programme à toutes sortes de divines mains. Au nom de Jésus, amen. Applaudissez très fort le Seigneur.
Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Nous continuons avec le programme à présent. Nous allons passer au mot des circonstances. Je vais faire appel à Merlin. Merlin, mon goulou, le fils aîné, de l'Ulysse Paris, de bien vouloir avancer. Dernier mot, je sais pas écrire le discours, car tu étais la personne la plus sincère, la plus vraie, la plus franche et la plus spontanée que je connais. Et pour ce dernier mot, je vais essayer, même si je doute d'y arriver, mais d'être aussi sincère et aussi spontané que toi. Car pour nous, c'était le meilleur de papa. Un ami. Ce que tu as fait pour nous, papa, pour moi et mes soeurs, pour moi, mon frère et mes soeurs, car pour nous, tu étais toujours là. Tu nous as élevés dans la religion, dans le respect, et tu nous as donné l'éducation. Voilà pourquoi je voulais juste te dire de partir en paix. Et que le Seigneur prenne ton âme et te ressuscite le dernier jour. Merci à tous. Voilà, c'était le fils de Merlin, au nom de tous les enfants, les petits-enfants. Il a dû. Alors, nous passons directement au témoignage. Nous allons d'abord faire appel au bishop Jérémy de bien vouloir avancer. Bishop Jérémy, veuillez avancer, s'il vous plaît. Pendant ce temps, vous avez une jeune de frères, venez vous enregistrer sur notre liste qui est déjà en action. Bonjour tout le monde. Merci, pasteur. Je suis juste tenu debout pour parler d'un homme, d'un couple ou d'un fils et de petit-fils que j'ai eu. On l'appelait affectueusement Papa Mac à l'église. Quand il est arrivé tout jeune, son ami d'enfance, l'apôtre Jean, pasteur Isaïe. Papa Mac et Élisée étaient des fils, un fils et une fille pour moi dans le Seigneur. Je dirais pratiquement toute la famille de Matala et la famille Mankoulou, parce que en dessous de là où j'allais pour lever des prières et tout, Élisée est arrivé plus tôt que Maxon. Et Maxon était toujours attaché à nous, attaché à moi personnellement. On l'appelait toujours pas Mac, mais comme ça. Merlin était tout petit, encore un bébé, Claudie et les autres. Il y en a qui sont nés sous mes pieds à l'église. Qu'est-ce que je retiens de cet homme? Merci, pasteur. Le pasteur est passé tout à l'heure, il a dit beaucoup de choses. Dans la vie, vous aurez un père et plusieurs enseignants. C'est tout à fait normal. Il est allé grandir quelque part. Tout jeune encore dans le ministère, une fois nous sommes allés chercher le frère Patrice, si je me souviens. Il y a tellement de souvenirs, mais je vais parler juste de ça. Patrice devait venir jouer à Montmartre, à l'église. Alors, arrivé chez lui, il nous a pris tellement du temps. Finalement, je me suis dit, est-ce que nous sommes en train de le supplier ou quoi? Il ne sait pas pour les seuls, mais il disait, je commence à parler. Alors, il m'appellera pour me dire, ah, papa, il faut passer ensemble la fouille de l'esprit au terrain. Il faut pas la dose de la égale. J'ai rigolé, finalement, 30 minutes après, nous avons pu le faire Baptiste et nous sommes venus avec lui. Enfant, là où vous êtes, Papa de Merlin et à la cadette, votre père a connu le Seigneur. Voilà aujourd'hui, connaissant Dieu, il est en train d'être pleuré comme un prince. La maison en coule, Angili, on ferme la porte pour personne.
votre grand-mère, tout le monde arrivait. Nadine était toute petite, Blaise et tous les autres, celles que je connais personnellement, on l'appelait comme on voulait. Les Tomatas, là, n'en parlons même pas. Esther et tout le monde ont accepté Christ comme cette Seigneur et Sauveur. Grandissez dans la vie de foi, suivez le chemin de votre Père. Le monde est vaste et le nombre de routes incalculables. Chacun mourra de sa façon, mais ce qui est important, que nous ayons le même Seigneur. Et l'Éternel vous bénisse tous. Merci infiniment, Bishop Jérémy. J'appelle le pasteur Esaïe. Amen. Marson, pour moi, c'est un frère. Nous avons grandi ensemble. J'étais son aîné, une année, parce que j'étais ami à Pierre, son grand frère. Et lui était ami à mon jeune frère, Jean, qui est pasteur aussi. Ce qui retient aujourd'hui, quand nous étions encore ensemble, jeunes, à l'école secondaire, ce que j'ai retenu à mon frère, il était fort en commerce. Et déjà à l'âge de 20 ans, retenez, il voulait déjà acheter une parcelle. Alors, il est venu chez moi pour me dire, ah, il va te qu'il en a le pain. Est-ce qu'à mon âge, je peux acheter cette parcelle? Je lui ai dit, oh. Mais nous apprenons à nos pères, quand ils sont venus à Kinshasa, à leur époque, déjà à 18 ans, 19 ans, ils étaient déjà responsables. À 20 ans, tu es déjà un homme. Voilà ce qu'on va faire. Nous sommes allés chercher un grand frère, Laurent, paix à son âme. Il était lieutenant, il venait tout droit de l'Efou. Nous avons dit, Marson veut acheter une parcelle. Alors, vous en tant que militaire, vous serez là comme témoin pour que ça ne pose pas de problème. Et il a acheté cette parcelle à 20 ans. Et moi, je venais juste de terminer mes études secondaires. Lui, il achète une parcelle. On n'avait aucune idée. Après, il me dira, Naina, c'est ma voiture. Quelle voiture? Oh non, je vais acheter une pave, la montée. Ça va créer des problèmes. Alors, il dit, ah, mais moi, je vais acheter. Il me fuit, il va acheter. Il achète, on monte la voiture. Et quelques temps après, on commençait à rouler dans cette voiture, aller dans des concerts. Là, nous étions compagnons. Et je l'ai appris comment boire la bière. Mais quelques temps après, quand je suis allé à Lubumbashi, juste quand j'étais là à côté, j'ai vu le pasteur du jour. Mais j'ai dit, mais ce monsieur, je connais. C'est mon frère de l'université. Mon connaissant d'oublier mon collègue de l'université de Lubumbashi. C'est un cassapard aussi comme moi. Au retour à Lubumbashi, j'ai rencontré Christ. Je viens chez Marson, je dis, j'ai rencontré un homme. Je vais te faire voir aussi un homme. Alors, au même moment, Jean, qui est mon frère, il allait vers Elisa pour annoncer la parole de Dieu. Donc, c'est une famille où nous sommes grandis ensemble, nous collions ensemble. Donc, cette famille-là, Elisa, quand il a eu son premier fils, Merlin, c'était à nos yeux. Le deuxième, et tous ses enfants d'ailleurs, tous les mariages chez les Tomatas, là. Donc, trois ou quatre mariages, moi j'étais comme le porte-parole. C'est moi qui parlais. Donc, c'est une famille où nous étions ensemble. Nous les avons amenés dans le Seigneur. On vivait ensemble. Dans le bonheur comme dans le mal, nous étions ensemble. Même s'il y a des troubles dans ce foyer-là. Nous étions toujours là. Donc, nous connaissons l'histoire de cet homme et l'histoire de cette famille. Marson, c'était un homme calme, un homme doux. Mais comme il était encore jeune à cette époque-là, il aimait bien s'habiller. Alors, c'est comme ça qu'il a grandi. Mais un homme sérieux, il ne parlait pas. Jusqu'à ce qu'il ait tombé malade et nous étions toujours là pour l'exhorter,
Je me souviens, dans les derniers ans, il voulait acheter quelque chose. Je dis, il y a une ferme là vers le quartier 8. Je dis, voilà ce que tu vas faire. Il me dit, comme j'ai acheté cette ferme, je n'oublierai jamais. Chaque fois que j'ai regardé cette ferme, j'ai dit que c'est toi, le pasteur Esaïe, qui était l'auteur de cette ferme. Aujourd'hui, donc, j'ai perdu, je n'ai pas perdu un ami, mais j'ai perdu un frère. Une partie de moi qui est partie. Mais moi, je sais. C'est le corps qui est mort. Mais l'âme est quelque part. Parce que celui qui est mort dans le Seigneur n'est pas mort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons citer avec le révérend apôtre Jean qui t'écoute. Alléluia. Bonjour tout le monde. J'avais pas l'envie de parler. Mais je suis obligé. Maxon, comme je l'appelle, il est mon ami. Celui qui vient de passer, c'est mon aîné. Je viens juste après lui. Le premier souvenir que je retiens pour Maxon, et sa femme, le jour qu'il avait dragué sa femme Elisa, on était allés. On était ensemble, nous deux, parce que partout on était qu'ensemble. Quand il a eu le premier fils, Merlin, moi j'étais encore en sixième. Quand j'ai terminé les études universitaires, maintenant je dois me marier, j'étais déjà apôtre. On était dans la même église où notre pasteur qui est passé avant, le pasteur Jérémie. Maxon et sa femme se sont arrangés, ils ont dit non. C'est toi qui nous as amené cette parole. Tu venais chaque fois à la maison pour nous exhorter, pour que nous grandissions dans la parole. Nous, de notre côté, nous avons pris la décision de te soutenir, que nous soyons, que moi et ma femme, que nous soyons les parrains. Donc, sont les parrains. Et je suis leur père. Et son ami. Cette séparation pour nous, c'est un coup. Mais nous les connaissons tous. Nous sommes dans un pèlerinage. Nous sommes dans un train qui a commencé depuis longtemps. Et dans cet arrêt, le 19 décembre, notre ami Maton, il a préféré descendre. Et nous continuons. Ce qui est important, dans ce train, nous créons des relations. Ce qui est important, dans ce train, que nous gardons de bonnes relations et de bons humains. Parce que personne ne connaît le jour. On était dans un groupe de neuf. On appelait ce groupe-là, neuf ça suffit, dix c'est trop. Maintenant nous sommes restés qu'à deux. Moi et mon aîné, les sept sont déjà descendus dans cette rue. Il est tombé, il est descendu à l'âge de fleurs. Juste à 60 ans. Même âge que moi. Qui le savait? Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est plus important, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et d'être attaché à Christ. La question que je te pose maintenant, tu as reçu Jésus dans ta vie. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu as l'attachement avec Christ? Parce que je te dis, Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes une assemblée bénie parce que trois hommes de Dieu ont défilé ici. Ils nous ont parlé des choses très précieuses.
Et celui qui a des oreilles pour entendre. Oyazana Mate Akoyoka. Mote Makobomba. Je m'en vais directement vous lire la biographie de Louis Issa. Biographie de papa André Matsumakul. Le papa, oncle, grand frère, que nous pleurons aujourd'hui, s'appelle André Matsumakul. Fils de Pierre Makul, déjà décédé, et de maman Vida Marie Matissoni, né ici à Kinshasa, le 8 août 1962. Originaire du secteur de Ngeba, dans le territoire de Madimba, dans la province du Congo central. Il était deuxième d'une famille de 12 enfants. Il était marié à Madame Élisée Tomatala. Avec elle, ils ont eu 5 enfants, dont 2 garçons et 3 filles. Et les enfants, à leur tour, ont donné 5 petits-enfants à papa André Matson Mankou. Il était chrétien et un combattant du Seigneur Jésus-Christ. De sa vie professionnelle, il a persévéré comme homme d'affaires dès sa jeunesse jusqu'à sa mort le 19 décembre 2022. Les proches connaissances l'appelaient Vita Imana. Voilà d'une manière brève ce qu'a été la vie de celui qui nous sommes en train de pleurer comme un prince, comme l'a dit son père spirituel, le bishop Jérémie. Voilà. Afin d'honorer sa mémoire, je nous prie, nous tous humblement ici présents, nous nous mettons debout, nous gardons une minute de silence à mémoire de lui et de son fait père. Et une pensée pièce à mémoire de lui. Merci beaucoup. Et prenons nos places. Nous allons directement nous recueillir. Ceux qui prennent les dispositions. Nous allons commencer avec la complicité de notre Didier. Nous allons faire appel au patron Interplast. Ricky, et bien vouloir avancer. Le patron Interplast, Ricky, celui qui commence cette partie. Patron Interplast, monsieur Ricky, avec la complicité. Voilà, le patron Interplast s'apprête avec toute sa délégation, M. Ricky. Alors, pendant que le patron Interplast Ricky se recueille, je fais appel. À la quinquennerie, elle y tombe. Quinquennerie, elle y tombe. Avancez, s'il vous plaît. Quinquennerie, elle y tombe. Avancez rapidement. Patron Interplast, c'est de qui ? Vous êtes remercié par la famille d'être venu compatir avec elle. Merci pour votre présence, merci pour la jette de fleurs. Kekeri, elle est top, avancée. Pendant ce temps, la grande famille, nous souhaite la famille,
GIS, les collègues de Lisette, de bien vouloir avancer. Quincaillerie Eliton, commencez. Famille GIS, collègue de Madame Lisette, commencez. Autographe. Les amis des Glody. Les amis des Glody, avancez. Non, ça va direct. Non, ça va me démonter. Que sa peuple lycéenne de Kimpoko sacré cœur. Vous m'avez boué. Quinteri et Litom, la famille. Je vous remercie d'être venu, compatriote avec elle. Merci pour la journée. Merci pour votre présence. Nous avons devant nous la famille GIS, les collègues de Madame Lisette. Derrière elle, j'ai appelé les amis des Glody. J'ai fait également appel aux lycéennes de Kimpoko Sacré-Cœur. Les lycéennes de Kimpoko Sacré-Cœur, veuillez avancer. La famille GUS, collègue de Madame Lisette, vous êtes remercié d'être venu. Les amis de Glody sont là. Les lycéennes. Les lycéennes. Voilà. Bana quartier 8. Bana quartier 8. Du Paï, papa André, Maxon, Abanaï, Koliki, Sankonganaïen, Ningi, Malvaï, Nanaï, Bana quartier 8. Alors, Bafidiel Naye, André Lama, ou bien le couple André Koulama, veuillez avancer. Manabaza Bafidiel Naye, couple André Koulama. Papa, ah, Ndeko. La promotion t'habite. La promotion t'habite, veuillez avancer. Ma filiale, couple André Koulama, voilà, la monibido, famille Père Monibido. Promotion t'habite, apprêtez-vous, veuillez avancer. Couple Emma Mila, la filiale, couple André Koulama, la famille, vous remercie d'être venu. Merci, dégueulasse. Famille Mala. Merci.
convention tabica vient de terminer son document. Il y a derrière le couple Emma, Lila, une minute. Veuillez m'en avancer, couple Emma, Lila. La famille Simanga. 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 Veuillez avancer. Où est-elle, la famille Simanga? Clévis. Clévis, veuillez avancer. Clévis. La famille Tomatala. Famille Tomatala. Veuillez à présent avancer. C'est la famille de l'épouse, la famille de Maman Elisa. La veuve. Famille Tomatala. Famille Tomatala. Merci. Les beaux amis dans les moments de souffrance. Vous avez témoigné à la famille cette marque de compassion. Baninga. Pendant ce temps, j'appelle les amis du Maroc à se préparer déjà. Pendant que les amis de Tomatala passent, les amis du Maroc. Apprêtez-vous aussi le soutien des amis de Tomatala. Merci beaucoup, son frère. Continuez à démarquer ce moment. C'est toujours les amis de Tomatala. Et continuez à défiler devant les corps sans frère. Et notre invité est papa André. Merci. Encore. Les amis du Maroc. Les amis du Maroc,
Vous avez déjà avancé. Pour les Congolais qui vivent au Maroc, au Maghreb et notre continent. La famille Simanga, vous voyez maintenant avancer. La famille Simanga, vous apprenez à la famille Simanga, les amis Tomatala, les amis du Maroc, famille Simanga, les amis Tomatala, famille Tosibino, merci, famille Monibino, et ce PNP n'a dit dans un peu développé avant de la développer à Monibino. Là, c'est la famille Simanga, les amis du Maroc, la famille, un peu nous vous remercie d'être venu. Il y a la famille Simanga qui est en train de se retrouver. Bana Mambre. À présent, famille Bana Mambre, famille paternelle de Matala, venez maintenant avancer. Famille Bana Mambre, famille paternelle de Matala. Veuillez avancer. Banama, Sami Banama, Sami paternel Tomata, c'est votre tour maintenant. La famille Simama, merci d'être venu. Compatriote, famille personne, libération. Bana Mambo, famille Bana Mambo, famille paternelle Tomatala, avancez sur la terre. Famille Bana Mambo, avancez. Famille paternelle Tomatala. Neveux et nièces. Les neveux et nièces, avancez s'il vous plaît. Les neveux et nièces, c'est votre tour de vous répondre. Les neveux et nièces, vous les bêtez pas André. Action. Les neveux et nièces. Les neveux et nièces. Les neveux et nièces. Manifestez-vous s'il vous plaît. La neveu et la nièce. Vous nous l'accès déjà. Batata ya Matso Makulu. Batata ya Matso Makulu. Batata ya Matso Makulu. Le petit colis à Sasaïbi. Batata ya Matso Makulu. Ma maman paye ya Matso Makulu, ma bon papa. Batata ya maman. Batata ya Bosso, ma maman Sima. Batata Matso Makulu, ba mama pe ya Matso Makulu, ba mama ya Matso Makulu, na batata, ekoki kopusa na deja. Maman, ce que vous avez fait béni, vous dites qu'on l'a déjà. Allez,
on doit attendre la langue. Les enfants sont déjà là pour tenir les gars. Maman, vous souvenez, c'est pas facile. Vous l'aimerez pour elle.
chanter tout cela là-bas. Les enfants vont la rejoindre. Aidé par les trois hommes, les papas, les parents, tout le monde, blanche et par les enfants et la mère. Présent, nous demandons à la veille et aux enfants de lui en vouloir avancer. C'est pareil que nous allons mettre fin à cette grande étape du recueillement et des dépôts de nos enfants. Avancez les enfants, nous vous présentons notre très sincère condoléance. Avancez. Donc, voilà.
tout ce qu'il y a comme communauté. À présent, nous allons assister. Alors, nous disions qu'il y a quelques moyens de transport pour ceux qui veulent accompagner la famille au cimetière, avec le bienvenu. Le retour du cimetière, il y a le bain de consolation dans la résidence familiale. D'autres seront à l'Emma, d'autres seront en dîner comme prévu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons déjà, nous allons déjà nous tenir debout. Tenons-nous tous debout déjà. Alors, je vais appeler la porte pour faire l'apôtre Jean pour la prière de clôture. Nous restons déjà debout. Père de grâce, nous te soyons infiniment reconnaissants. Nous te bénissons parce que tu as permis ce temps de recueillement et tout s'est passé dans la paix, conformément à ce que nous avons demandé à ton nom. Maintenant, nous allons faire ces lieux. Nous allons prendre ce corps pour amener à l'enterrement. Je te confie ce chemin. C'est le long chemin que nous allons prendre, comme il est écrit dans ta parole, tu seras avec nous dans notre départ et notre arrivée. Et que nous ayons dans la paix. Bénis cette famille qui vient de perdre un homme cher. Toi qui es le Dieu qui donne la paix. Tu es le Dieu qui fortifie, qui donne la force. Que rien ne nous sépare de ton amour. Que ta gloire accompagne tout le monde. Que cet décès soit pour nous un enseignement. Afin que chacun de nous soit aggravé dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur. Qu'un jour, nous passerons aussi. Je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu étais Alpha et tu seras avec nous Oméga. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. À présent, nous donnons l'ordre à la sécurité de lever le corps. Levez le corps, s'il vous plaît, sous la fanfare. Levez le corps, s'il vous plaît.
Deu uma caixa na hora de tabuquear. Ma casse dans la kissa. Oh, ma casse dans la kissa. La suite na cimetière. Toba la suite na kati na cimetière. Na ebisa bango po ba diranje.